Lourdes, entre deux miracles. Le deuxième sanctuaire de la chrétienté est désert. Des centaines d'hôtels et de magasins, rideaux baissés. La vie reprendra en ce mois de février pour le 150e anniversaire des premières apparitions. Avant qu'elle ne soit distinguée par la Vierge, les mauvaises langues disaient de Lourdes qu'elle était plus traversée que connue. Une paroisse de seconde classe. Une petite ville de 15 000 âmes, presque semblable à toutes les autres. Mais au pays des miracles, il faut parfois prendre quelques arrangements avec les principes républicains. À la porte de la mairie, par exemple, ne cherchez pas Marianne. C'est Bernadette Soubirous qui est chargée de l'accueil. Elle est ici à la mairie, rassurez-vous, depuis fort longtemps, depuis une trentaine d'années. Elle accueille le visiteur de la mairie de Lourdes en gentille et bonne fille de Lourdes qu'elle fut, modeste et humble fille de Lourdes, ce qui est aussi quelque part le... pas l'image que nous voulons donner, mais ça nous rappelle à la fois nos racines, d'où nous venons, et puis quelque part aussi ce qu'est le message de Lourdes, c'est-à-dire la capacité de Lourdes d'accueillir les plus humbles, les plus faibles, etc. Voilà. Les plus humbles et les plus faibles ont rendez-vous avec Lourdes sur ce parking de la banlieue d'Avignon. On arrive. Pour les accompagner dans ce pèlerinage, un groupe de chrétiens, les 57 bénévoles de l'hospitalité. Anne, ça te fait plaisir. Hein ? Tu réponds ? Plus fort, on t'entend pas. Tu réponds, ça te fait plaisir ? C'est toujours très difficile d'échanger avec elle, mais enfin... Tu sais. 60 000 malades et 8 millions de pèlerins sont attendus cette année dans ces rues. Lourdes fait mieux que la Tour Eiffel, tout ça, grâce à Bernadette. L'enfant du pays a transformé son village en capitale mondiale du tourisme religieux. Alors on protège soigneusement sa mémoire. Adieu, Jean-Marc, de chez Deslu. Ça va. Jacques Abadi est l'un des gardiens du temple. Ou plutôt du cachot, l'ancienne prison, où Bernadette et sa famille, ruinées par la crise agricole, étaient venus se réfugier. Une cellule sombre et humide, une jeune analphabète, l'histoire pouvait commencer. Voilà. Vous êtes dans la pièce d'où sont partis les événements de 1858 qui ont bouleversé, dans le bon sens évidemment, la ville de Lourdes. Donc dans cette pièce, comme vous voyez, il y avait les lits pour les quatre, enfin un ou deux lits pour les quatre enfants, là. Là, le lit pour le papa et la maman. Une table avec 4, 5, 6 chaises et cette cheminée, voilà, la fameuse cheminée, auprès de laquelle cette Bernadette se réfugiait souvent parce qu'elle avait des crises d'asthme terribles. Il y a un petit frisson toujours, chaque fois que je viens ici. Voilà. L'arrière-grand-mère de Jacques Abadi, c'est Bernarde Castéro, la tante et la marraine de Bernadette. Ta gueule, toi. Voilà l'arrière-grand-père. Bon. Chez les Abadi, on est fier d'avoir une sainte dans l'arbre généalogique. Voilà les témoins de la deuxième apparition. À savoir Jean-Marie et Pierre Soubirous, les deux frères de Bernadette. Antoine Nicolo, le meunier,
j'étais très copain avec Sainte Bernadette. Pauline Bourdeux, qui était de ma famille. La tante Basile. Toinette Casalas, qui était à la première apparition aussi. Jeanne Avadie, qui était également à la première. Et Justine Soubis. Trois semaines plus tard, ils seront 8000 autour de la mystique, avec chacun une part d'histoire à transmettre. Donc ce qu'a raconté mon arrière-grand-père à ma mère, c'était en patois, et lui traduisait en français. Et il n'était pas toujours d'accord sur ce que maman lisait dans les livres. Le livre d'images n'a pas changé. Il était une fois une jeune bergère, quelque part entre Cendrillon et Jeanne d'Arc. Le 11 février 1858, elle part chercher du bois mort avec sa sœur et une amie, au lieu-dit de la grotte aux cochons. Un souffle de vent, et Bernadette tourne la tête. C'est la première apparition. La suite est sur les vitraux de la paroisse. Le curé du village, sceptique, jusqu'à ce que l'apparition révèle son nom en patois. L'Immaculée Conception, la Vierge conçue sans péché, conforme à la position adoptée 4 ans plus tôt par le Vatican. À ce moment-là, on parle déjà d'étranges guérisons. Visite au musée des Miraculés, en compagnie du docteur Tellier, un salarié de l'église chargé d'enquêter sur les guérisons inexpliquées. Louis Bourriette, lui, qui se disait complètement agnostique, mais qui était aveugle depuis 20 ans, a envoyé sa fille chercher de l'eau, sans le dire à personne, et un ami sur ses yeux, voilà qu'il a retrouvé la vue. Et lui, il l'a crié haut et fort à qui voulait l'entendre. Et c'est donc à partir de lui qu'on a su qu'il se passait des choses extraordinaires à cette grotte et grâce à cette source. Et donc, il y a eu toute une série de guérisons qui ont eu lieu. Dont celle du petit Justin Boueur, là on le voit, 80 ans, mais il en avait 2 quand il a guéri. Et Pierre de Rudeur est assez connu aussi parce que c'est le premier qui a guéri loin de Lourdes et loin de la source. Jusque-là, on croyait toujours que c'était la source et l'eau qui guérissait. Puis lui, voilà qu'il a guéri près de Ostaker en Belgique, alors qu'on ne s'attendait pas à cela, devant une reproduction de la grotte. Voilà, donc vous en avez toute une série, vous voyez. 67 miraculés officiels. Entre tous ces visages, un seul point commun, une rémission totale de la maladie. Alors elle avait une tumeur blanche du genou, c'est-à-dire une tuberculose osseuse. Il est revenu de l'autre complètement guéri. Lui comme elle, c'était des cancers. Ils ont reconstruit l'un et l'autre de l'os. Lui, il a retrouvé une hanche fonctionnelle et elle a retrouvé un genou fonctionnel. Le problème, c'est que le musée ne renouvelle pas beaucoup ses collections. Le miracle se fait rare et ses messagers disparaissent. Il y a encore Maddalena Carini, qui est toujours vivante, qui est italienne, Jeanne Fretel, qui est morte il n'y a pas longtemps, Théa Angele, qui est morte il n'y a pas longtemps, Deltro Fulda, pareil, Léo Schwager, pareil, Marie Bigot, toujours vivante, charmante femme qui a 97 ans aujourd'hui ou 95 ans. Voilà, j'ai toujours de très bonnes relations avec tous les guéris, les miraculés. Elle vient m'envoyer des chaussons qu'elle a tricotées à la main pour une de mes petites filles qui vient de naître. Regardez bien ce visage. Cette malade ne marchait pas, ne voyait pas, n'entendait pas, ne parlait pas. La voici devant la commission médicale de Lourdes. Elle marche, elle entend, elle parle. Et depuis, ses yeux commencent à voir. Gracias al presidente.
Dans les sanctuaires, le début des pèlerinages se précise. Un camion-grue met la touche finale au chemin de croix dédié aux malades. Une crucifixion monumentale en pierre de Carrare, le plus raffiné des marbres italiens. La petite église du centre-ville est loin d'avoir les mêmes moyens, mais elle aussi veut participer au jubilé. L'événement du jour, c'est l'arrivée d'un nouveau retable, les aventures de Bernadette, en 8 tableaux. Alors Sébastien, toi tu soulages, vas-y, on descend, gentil, on descend. Il faut baisser. Il faut baisser encore. C'est bien, il faut dévisser un peu. Il faut tricher un peu, Alain. Tricher un peu. Faut tricher. Pour pouvoir le récupérer. Par contre, maintenant, on va l'enlever maintenant. Ah, mais là, venez vers moi. Oh, là. Attends, on y va. Ah, les doigts. Sébastien, tu fais mal? Non. Dis à Marie qu'elle te guérisse. Allez. Alors, on laisse là. La pièce maîtresse du retable, c'est cette petite vierge en terre cuite. Pas vraiment dans la ligne officielle. Oui. Cette vierge, c'est pas tout à fait la Vierge qu'on trouve dans le Creux du Rocher. La Vierge du Creux du Rocher a été faite par le sculpteur Fabiche, un très grand sculpteur lyonnais. Et Bernadette ne l'aimait pas? Elle ne l'aimait pas parce qu'elle disait que ça ne lui ressemble pas. Et comme elle ne voulait pas trop vexer le sculpteur ni les gens qui... Bon, alors elle a fait comme si, mais elle ne l'est vraiment pas, non. On pensait que Notre-Dame fait beau cadeau. S'il peut ne pas pleuvoir, ça tombe. 5 km, lourde. 5 km, c'est sûr? Oui, il y a marqué 5. Je suis émue. Oui. Très émue. Ça ne se dit pas, ça se vit. Dans les allées de son supermarché de la foi, Philippe Fialot est fin prêt. Ah, Nathalie. 13 000 références en rayon et jusqu'à 50 salariés répartis dans ces deux magasins. Assez pour faire face au déferlement annoncé. Avec en rayon, de quoi satisfaire les Italiens, sa principale clientèle. Les Italiens aiment beaucoup les statues en général. Les Italiens, c'est des fanas de la statue. Et il n'y aurait pas d'Italiens, on aurait la moitié des statues qui sont là. On n'aurait pas besoin d'autant de statues. Les Français, ils achètent de tout, les Français. Beaucoup d'articles en bois, des plaques funéraires aussi. Mais Philippe Fialot vise aussi de nouvelles cibles, les pèlerins d'Europe de l'Est. Pour les intérieurs de ces catholiques fervents, mais désargentés, il proposera ce cadre ou cette vierge en plâtre. 9,90 euros les deux. C'est le secret des marchands du temple, vendre beaucoup, mais pas cher. Seule limite au business religieux, l'eau de la grotte. Les gourdes doivent être vides. Voilà le type de flacon qu'on vend à Lourdes, où les pèlerins vont remplir au sanctuaire avec de l'eau, ou des flacons verts de ce type-là. Mais nous, on n'a pas le droit d'aller vendre avec plein d'eau, si vous voulez. Le pèlerin va remplir son flacon à la grotte, là-bas. Ça, c'est les sanctuaires qui imposent... Oui, pour être sûr qu'il n'y ait pas un commerce sur l'eau. L'eau de la grotte de Lourdes. À l'origine, un simple filet boueux. Aujourd'hui, une source qui débite près de 30 000 litres par jour. Contrairement aux idées reçues, elle n'est pas bénite et les expertises n'ont jamais révélé la moindre particularité. C'est une eau banale, juste légèrement calcaire. Ce qui n'empêche pas l'Église d'en expédier aux quatre coins du monde. Seul face à la demande de plus d'un milliard de catholiques, le responsable des services généraux de la grotte et son robinet.
tous les jours, nous expédions de l'eau un petit peu dans le monde entier, principalement aux États-Unis et au Japon. Ils commandent un quart de litre, un demi-litre, un litre, jusqu'à 5, 10 litres, suivant leurs besoins, c'est-à-dire par rapport à leur foi. Pour éviter tout recel, les sanctuaires rationnent les envois, 10 litres maximum par personne. Nous ajoutons une image de Notre-Dame avec Bernadette. C'est toujours expédié dans des bidons alimentaires. Ensuite, le bidon est mis dans un carton. Combien ça coûte pour avoir de l'eau de Lourdes ? Eh bien, tout dépend de la quantité que vous prenez. L'eau est gratuite. On fait payer uniquement le bidon, le carton, les frais de port. Et les frais de maintenance. Après 8 heures de bus, les Avignonnais ne sont pas tout à fait installés. Allez, on va visiter. Ils sont logés à l'accueil Notre-Dame réservé aux malades et à ceux qui les accompagnent. Seulement, le confort très hospitalier des lieux et l'ambiance colonie ne sont pas au goût des plus anciens. Non, mais vous ne pouvez pas aller à l'hôtel, il n'y a plus de chambre à l'hôtel. Non, non. Mais il n'y a plus de chambre à l'hôtel. Il y a des chambres à l'hôtel. Ah non, il n'y a plus de chambre. Allez. Voilà. Bernard, c'est quoi le rôle d'un hôpital? Ben, en fait, on est leurs jambes, on est leurs bras, on est là pour les soutenir tant sur le plan moral que physique. Et puis surtout en même temps, on essaie de leur apporter le nécessaire, mais pas trop. Il faut qu'ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes. Le peu qu'ils peuvent faire, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, on est là pour les aider, quoi. Leur présence démine aussi les conflits. Finalement, le principe de la chambre commune est accepté. On est dans la même chambre. Ouais. Oui. Et on va faire un bon pèlerinage. Beaucoup pensé à maman. Et ouais. Allez. Ouais. Pour la première fois, Annie est venue seule à Lourdes. Sa mère, très malade, a dû rester à l'hôpital. Jean-François Monory est le maître des sanctuaires après Dieu et l'évêque. Il gère la plus grosse entreprise privée de la ville, 420 salariés et un budget annuel de 26 millions d'euros. Nos ressources proviennent uniquement de la générosité des pèlerins. Globalement, un premier tiers représente l'ensemble des offrandes, les quêtes à la messe, par exemple. Le deuxième tiers, ce sont les cierges, puisque les pèlerins souhaitent toujours déposer et prolonger leur prière par le cierge allumé devant la grotte. Et puis le troisième tiers est fait de diverses contributions. D'une part, nous demandons à chaque pèlerin une contribution forfaitaire de 3 euros pour la durée de son séjour. D'autre part, nous recevons aussi des dons et des legs. Et puis, nous avons aussi nos propres campagnes de marketing direct, c'est-à-dire d'appels de fonds, surtout pour les remboursements ici de l'accueil Notre-Dame, et puis pour l'entretien du patrimoine. Je pense tout particulièrement à la restauration de la basilique Notre-Dame du Rosaire, au réaménagement technique de la basilique Saint-Vitus. Et les pèlerins se montrent très généreux. Dans les sanctuaires, le temps s'écoule au rythme des cierges. Ceux du candélabre face à la grotte brûlent en moins d'une journée. Et depuis un siècle et demi, un employé vient passer l'étouffoir tous les midis. Leur métier est unique au monde. Les feutiers sont chargés d'entretenir une flamme qui rapporte chaque année plus de 8 millions d'euros. Car à Lourdes, chaque pèlerin allumera au moins un cierge. Bon allez, on va charger une petite caisse de petit.
en mettre deux. Ça fera plus joli. On va en mettre deux. Le distributeur à l'entrée de la grotte doit rester toujours bien garni. Allez, c'est bon, ça va être plein. Les feutiers jurent qu'ils laissent tous les cierges se consumer jusqu'au bout. Mais ils sont parfois dépassés par les intentions de prière. On brûle entre 750 et 800 tonnes de cierges. Et on stocke à peu près 350 tonnes. Oui, parce que vous ne pouvez pas tout mettre. Non, on ne peut pas tout mettre. En temps réel. Il y a des journées où on ne peut pas tout mettre. Des journées comme le 15 août, comme Pâques, il y a des journées comme ça, le 11 février, on ne peut pas tout mettre. Non. Donc on fait quoi? Alors là, on attend que tous les brûloirs soient pleins. On dispose de 3 chariots de chaque côté. Et on invite les pèlerins à allumer le cierge, de faire la prière. Et on leur explique qu'on leur brûlera plus tard. Voilà. Ils vous font confiance? Oui. Le temps des festivités du 150e anniversaire, le tarmac du petit aéroport de Lourdes est la piste la plus encombrée du pays. L'Europe arrive par charter entier et le contingent principal est italien, 40% des visiteurs. Mistral Air vole pour le Vatican. Ce matin, la ligne officielle du miracle débarque des pèlerins en lunettes noires et fourrures. Ce week-end, 28 000 personnes transiteront par l'aéroport. Ah, aujourd'hui, sur l'aéroport, effectivement, une affluence record. Hein, puisque depuis hier après-midi jusqu'à vendredi prochain, on estime à plus de 350 mouvements le nombre d'avions qui vont être traités sur l'aéroport, tous des gros porteurs, pour la plupart en tout cas. Et donc, c'est un chiffre exceptionnel pour l'aéroport de notre taille. Une hausse de 35% par rapport à l'année précédente. Un miracle de plus, vous diront les Lourdais. Et surtout la fin des vacances d'hiver. Au Palais du Rosaire, les paniers sont pleins et le patron ravi. Même si ce jour-là, le succès tient un peu au hasard administratif. Alors là, on est sens descendant pour le boulevard de la Grotte, si vous voulez. Le sens, comme vous avez dû le savoir maintenant, change tous les 15 jours à Lourdes. Et c'est vrai que ça a une influence sur le commerce. Et c'est comme ça depuis toujours. Moi, j'ai toujours connu ça, si vous voulez. Ça marche bien, c'est un système qui fonctionne. Ça contente tous les commerçants, ça contente tout le monde. Donc, c'est un système qui se perpétue. Vaut mieux être dans le sens descendant, c'est ça? Oui. Pourquoi? Je suppose que c'est dû au trafic des véhicules. C'est-à-dire quand les voitures descendent, elles passent devant les magasins. Et les gens repèrent les magasins. Les gens repèrent les magasins en véhicule. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment l'explication de... Mais on sent une variation sur le chiffre d'affaires. Ah oui, tout à fait. Ouais. Elle est réelle. De quelle ordre on sait Elle doit être de l'ordre de 10%. Ouais. La règle est aussi vieille que lourde. Sans elle, la trêve entre les 220 patrons des deux rues commerçantes serait brisée. Alors la circulation change de sens tous les 15 jours et le tiroir-caisse fait le yo-yo, jusqu'à 30% selon les syndicats. Vérification faite, dans les commerces de la rue montante, la santé semble souffrir davantage que la trésorerie. Quand on est dans la descente, on a moins de pollution puisque les cars, les voitures n'ont pas à accélérer et descendre. Donc il y a moins d'émissions de pollution. Alors que quand ça remonte, on a une pollution plus importante puisque les véhicules vont accélérer. 40 euros par jour, le budget moyen d'un pèlerin lourdais. C'est pratiquement ce que paiera Christian pour ce chapelet, sans forcément réaliser qu'il vient de dépenser toutes ses économies en quelques minutes. Le chapelet fait 30 euros. Hein. D'accord. Je dirais que c'est un peu le marchand du temple, là.
Mais les malades ont besoin de ça pour offrir souvent aux membres de leur famille. Ça leur fait un repère sur l'année. Enfin, souvent, quand ils regardent ces objets-là, ça leur rappelle le fait d'être venu ici. Ce sont des objets que, lors de notre retour, ou quoi, les prêtres les bénissent. Donc il y a pour eux une valeur religieuse, une valeur plus que sentimentale. Un mouvement perpétuel qui n'attire pas que des bons samaritains. Promenade dans la cour des miracles avec la brigade anticriminalité de la cité mariale. Alors notre rôle, c'est de surveiller les magasins, voir s'il n'y a pas de pickpocket, des gens suspects. Et on fait des patrouilles pédestres aussi et on les suit à distance. Ça peut être des couples, accompagner l'enfant, ça peut être une personne âgée. C'est déjà arrivé. Qu'on ne soupçonnera pas de ce fait. Des gens qui ressemblent aux pèlerins, quoi. Voilà. Ben voilà. Se confondent dans la masse. Donc là, par exemple, tout le monde est un suspect potentiel ? Non, pas du tout. Non. Sinon, ça sort plus. Non, ça sort plus. Non. On essaye de les prendre en flagrant délit. Parce que dès qu'ils commettent le vol, ils prennent le portefeuille, ils rentrent dans un hôtel, ils vident le portefeuille et ils jettent le portefeuille. C'est la cité du crime ? Non, pas du tout. Et la délinquance ne s'arrête pas à l'intérieur des sanctuaires. Patrouille sur le terrain de chasse du gang des fontaines. Vous regardez les fontaines, là, vous voyez ? Il y a des gens qui attendent derrière et ils profitent aussi pour faire des vols à tir. Ou à la limite, des fois, ils volent le sac carrément. Hein. Vous voyez les personnes âgées, là ? Il y a 3-4 fils là. Hein. Quand on repère une personne ou un couple ou des individus, on rentre à l'intérieur, on travaille à 3-4, et quand ils mettent la main dans le sac, les deux collègues en bas, ils les interceptent. Vous avez le droit d'arrêter de menotter quelqu'un ici ? Non, on le fait en douceur, on le fait avec diplomatie, on les invite à sortir, et en principe, il n'y a pas de problème. Hein. Le soir à Lourdes, ce ne sont pas les jeunes qui posent problème, mais leurs grands-parents. On est appelé pour des personnes égarées, des personnes âgées égarées. Donc on les amène au commissariat. Et ils restent pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, voire 4 heures de temps. Et les hôteliers, ils nous appellent. Quand ils s'aperçoivent qu'à table, il manque une personne. Ce verre de frère Jacques, vous devrez vous en sortir. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la table, à la table, venez tous, et que Dieu bénisse ce repas, ce repas. Et notre joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon abonnat. L'attraction principale de cette année anniversaire, un chemin jubilaire à travers Lourdes sur les traces de Bernadette Soubirousse. Impossible de se perdre. Il y a un porte-étendard pour 2 chaises roulantes. Mais au cas où la ville a pris les devants, la peinture est encore fraîche et la marche à suivre toute tracée. Et ce fil blanc est quelque part le fil rougeur, puisqu'il relie les 4 endroits que doivent visiter les gens pour obtenir les petits stickers qu'ils mettront sur leur collector afin de pouvoir bénéficier demain des indulgences. C'est le chemin qu'il faut suivre. C'est très codé. Voilà. Très codé, et de préférence d'ailleurs, il faut le faire dans l'ordre. Alain Barouillet n'est pas un Lourdais ordinaire. Il est laïque et libre penseur. Ce dimanche, les fidèles ne le savent pas encore, mais ils viennent d'être infiltrés. Pendant ce temps-là, devant le cachot, Avignon s'impatiente. 60 000 pèlerins pour 8 mètres carrés. Cette année, l'hospitalité ne passera pas par la case prison. Voilà les médaillons, donc vous distribuez.
On va vous distribuer donc les médaillons dont je vous ai parlé hier. Donc il y a déjà le petit autocollant du cachot. Donc nous allons passer juste devant, hein. Nous ne pouvons pas rentrer dedans. En plus, c'est déjà plein. Donc simplement, on va prendre un temps de prière quand je vous aurai distribué le médaillon. On essaie de se rassembler un petit peu pour avoir faire le temps de prière. La caravane repart donc, direction l'église paroissiale. Mais là encore, les Italiens sont arrivés les premiers. L'enjeu de ce parcours du combattant, obtenir l'indulgence papale, promise par Benoît XVI pour chaque médaille remplie. Les indulgences, ça vous permet, c'est un petit peu les intérêts des bonnes actions que vous avez faites. À partir du moment où vous avez les indulgences, entre guillemets, ça rachète les péchés futurs. Alors il y a deux niveaux, il y a la peine qui est celle qu'on dit temporelle, c'est-à-dire les prières, les aumônes, le jeûne, et puis il y a la peine qui, elle, est supérieure, la culpa, et là, c'est la confession seule qui peut le faire. Donc, ne seront, je dirais, blanchis que les péchés qui auront été confessés auparavant. Tu es prêt ? Cette fois, Pierre veut en découdre. Pas question de rester une deuxième fois à la porte. Bonjour, je suis le président de l'hospitalité d'Avignon. On a un passage à 9h30 avec des malades. Oui. Pour recevoir les autocollants et tout ça, comment ça se passe? Avec des malades? Oui. Sur chariot? Oui, oui, sur voiturette. Il faut passer, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit. Il y a un passage par là. Ouais. Vous arriverez par là et on vous tâchera de vous les donner. Rentrerez. À quelle heure elle finit la messe? À 10h. Non, mais nous, on a réservé à 9h30. On a dit, vous pouvez passer à 9h30, il n'y a pas de problème. Parce qu'à nous, il faut qu'à 10h, on soit à la grotte. Les sanctuaires, c'est les sanctuaires qui font les réservations des passages. Parce que c'est le seul passage. Autrement, là, il faut les lever. Il n'y a que des marches. Oui, oui. D'accord. On va essayer de stocker là. Le groupe finira par rentrer. C'est la messe paroissiale. Donc normalement, on n'a pas le droit d'entrer. Donc il faut aussi là. On passe, c'est au fond à droite. Et on revient par là. Quasiment par la porte de service. Vous tenez la porte. Même à Lourdes, les voies du salut ne sont pas toujours bien accessibles. Après une heure de chasse à l'indulgence, c'est l'heure des premiers bilans. Il y a un petit côté pour l'enlever, derrière. Il y a un coin. Hop, tu as le coin, voilà. Christian fait ses comptes, voilà. Deux autocollants sur quatre. Voilà la deuxième étape. Pour les autres étapes, on verra plus tard. Pourtant, l'équipe n'est toujours pas au bout de ses peines. Même la messe ne se passera pas tout à fait comme prévu. C'est l'enfer. Allez, avancez. Si on transfère ou si on ne transfère pas. Attends, par le milieu. Vas-y. Attends. Normalement, il n'y a que eux qui devraient être là devant aujourd'hui, parce que c'est que pour eux aujourd'hui. Les foules de Lourdes contre le silence des montagnes. Très peu de pèlerins s'y aventurent. Elles racontent pourtant les mêmes histoires de miracles et d'apparitions. À 15 km de la grotte, le sanctuaire de Bétaram, là où la jeune Soubirous venait souvent prier. Aucune boutique, aucun hôtel, le parfait négatif de Lourdes. Et pourtant, le sanctuaire aussi est un haut lieu du merveilleux. Rien qu'au XVIIe siècle, 80 miracles recensés dans les parages. À cet endroit, il y a eu un miracle. Oui, il y a une jeune fille qui se noyait là, et la Vierge, c'est une légende, hein. Lui a jeté un rameau, enfin, lui a donné un rameau pour qu'elle puisse s'accrocher et se sauver de la noyade. Alors communément, on pense que c'est la statue de la rescapée, mais en fait, cette statue provient des maisons d'un résident du sanctuaire qu'il a mise là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens croient que c'est la statue dite de la rescapée. Voilà. Ces légendes, Bernadette les connaissait par cœur.
Elles forment la trame des apparitions. Depuis toujours, les montagnes et les vallées pyrénéennes ont leurs sorcières et leurs démons. Le christianisme ne fera qu'ajouter à ce vieux fond magique des vierges protectrices et des statues baladeuses. Généralement, les légendes des miracles de la Vierge dans les Pyrénées, c'est fréquemment une statue qui est découverte dans un buisson par une vache ou une génisse. Et on la porte au curé du village qui la met dans l'église. Elle disparaît la nuit et pour réapparaître à l'endroit où on l'a trouvée, et ainsi plusieurs fois. Vu des hauteurs de Bétarame, le magnétisme de Lourdes a des explications très matérielles. Le chemin de fer est arrivé très rapidement à Lourdes, ce qui a permis à beaucoup de gens des alentours plus éloignés de venir sur place. La photographie, Bernadette a été une des premières voyantes à être photographiée, donc à être connue très rapidement dans toute la France et l'Europe. Ensuite, le milieu social des Lourdais et Lourdaises habitués, comme Lourdes était une ville de Piémont, à recevoir des clients venant de la montagne ou même d'Espagne. Donc, elles étaient habituées aux affaires. Donc, très rapidement, elles sont occupées de l'accueil des pèlerins, du logement des pèlerins, de réaliser des objets de souvenirs. Le bon sens paysan et le chemin de fer. Le million de pèlerins annuels est dépassé en 1908, 3 ans après le divorce entre l'Église et l'État. La France catholique tout entière a rendez-vous à Lourdes. 50 ans plus tard, l'aéroport flambant neuf du village accueille le patriarche de Venise. Un siècle après les apparitions, le monde entier se prosterne devant la Vierge de Bernadette. Et pour loger ses foules, la ville a poussé comme un champignon. Sur une dizaine de rues, le quartier des sanctuaires aligne 50 000 lits, presque une chambre d'hôtel par habitant, la deuxième capacité hôtelière de France. Une frénésie immobilière qui s'est encore accélérée à la fin des années 80. Donc pour vous expliquer un petit peu l'évolution du parc hôtelier dans les années entre 80 et 90, voyez cet hôtel Alban, Méditerranée, Paradis, Arcade, rénovation du pont d'Espagne. Tous ces hôtels ont été soit construits, soit rénovés. L'Alban, Méditerranée, Paradis, Arcade et Hôtel d'Espagne, avec l'Arcade, se sont reconstruits entièrement. Donc vous voyez déjà le nombre de chambres que ça peut constituer à l'époque. C'était l'âge d'or à ce moment-là ? On partait sur une période qu'on pensait pouvant se développer et toucher une clientèle nouvelle. Et donc c'était la période où on espérait un développement normal et régulier en fréquentation de Lourdes. Entre les 220 établissements de la ville, la concurrence est féroce. Pour attirer le pèlerin, certains font vibrer la fibre religieuse. D'autres jouent les néons criards. Tous les noms avaient été plus ou moins pris. Alors je me suis laissé pour américain. Bon, peut-être. Il y a une consonance un petit peu, ouais, effectivement, américaine. Mais pourquoi un nom qui commence par A ? Pour être en tête de liste. C'est toujours intéressant d'être nommé en premier. Sur les moteurs de recherche ? Internet ou... Absolument, sur Internet. Oui, dans tous les organismes d'information, on signale par ordre alphabétique. Donc être en tête de liste, c'est toujours bénéfique. Entre 33 et 35 euros net par nuit. Ce que touche, hors commission d'agence, le propriétaire d'un 2 étoiles. Dérisoire. Alors pour revaloriser le marché, certains parient sur le pèlerinage luxe. Bienvenue au milieu des colonnades et des 300 chambres de l'hôtel Solitude. Buonasera, Eccellenza. Bienvenuti, tutto è andato bene? Tutto molto bene. Bene, bonsoir. È un piacere di accogliere voi. Bene, grazie. Felice festa. Well, sorry. Same time that you're doing the air conditioning.
Yeah, well, we're going to do the air conditioning on the fourth floor, and then we're going to bring flat screen TV on in all the rooms, because we need to have the same kind of device in all the rooms. Et puis ici, donc, une salle de restaurant où nous pouvons accueillir plusieurs centaines de personnes, et où pour nous, l'objectif est que chacun se sente bien chez soi, se sente comme s'il était à la maison, avec une adaptation du service en fonction des nationalités. L'adaptation du service ce soir-là, c'est pasta, expresso et italien première langue. Buonasera, buon appetito. Prego. Buonasera, benvenute. Tutti va bene? Buonasera. Encore et toujours les Italiens. D'ailleurs, le dernier accident du marché est arrivé dans leur valise. C'est la baisse de la lire italienne qui nous a obligés à baisser nos tarifs pour permettre à cette clientèle italienne de continuer à venir. C'est à la demande des tour opérateurs et des agences de voyage que nous avons été obligés de consentir ces réductions. Et nous avons eu toutes les peines du monde à retrouver ces conditions tarifaires dans les années suivantes. Les plus fragiles n'ont pas résisté. En 25 ans, presque 140 établissements ont fermé, y compris les vieilles pensions de famille. Le pèlerin fatigué ne dort plus dans les baignoires vides. À sa façon, Lourdes est aussi devenue une ville touristique comme les autres. C'est avec beaucoup de peine que j'ai vu disparaître toutes ces petites pensions, puisque c'est dans ce quartier que s'est passée toute ma jeunesse et toute mon enfance. Mais qu'est-ce que c'est la loi du marché, c'est comme ça, je le regrette énormément. J'ai essayé de me battre pour cela, on n'a pas été suivi. Et puis, est-ce qu'il y avait possibilité de se battre encore? Vous savez, il y a des moments, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et puis c'est tout. Pour Huguette, Christian et les autres, l'heure des gestes forts du pèlerinage approche. Au milieu du groupe, Annie va longuement caresser le rocher de la grotte, usé par les prières. En ce moment, je passe très très fort à ma maman. Mais les nouvelles d'Avignon sont mauvaises. L'état de sa mère s'est aggravé. Elle décédera pendant la nuit. Le lendemain, Annie sera pourtant là, soutenue par les brancardiers. Elle ne veut pas manquer le rite le plus important pour les malades de Lourdes. La baignade dans la source de la grotte. C'est le cœur des sanctuaires, l'endroit où les corps vont s'abandonner dans l'eau glacée. Mais vous n'avez aucune priorité, mes enfants. Mais les malades, il y a des... Non, je parle des hospitalières. Ah oui, mais les malades... Mais il y a 80 hospitalières. Non. Et tiens. Non, ça c'est ce que je t'avais annoncé, parce qu'on devait être 80. Non, mais... Oh, mais on n'est pas 80. Non, pas moi. Bonjour, mais pas moi. La caméra restera à l'entrée. Lourdes protège son dernier secret. Quelques minutes après la piscine, Annie téléphone à ses proches. Bon, j'ai décidé avec Marie, c'est moi qui vais appeler mes tantes dans mes noix. Je préfère. Au moins, je ferai quelque chose. Je crois que c'est ça là-bas. La piscine qui marche. Attention,
Dernière visite au bureau médical de Lourdes. Tout le week-end, la salle d'attente est restée vide. Toujours aucun miraculé officiel depuis Jean-Pierre Belli, en 1987. Moins de guérison physique aujourd'hui qu'il y a 50 ou 100 ans, peut-être. Mais je dirais, c'est un peu normal. La médecine fait son travail. Hein. Quand vous êtes malade aujourd'hui, vous n'allez pas à Lourdes en premier lieu. Vous allez voir votre médecin, et je vous le conseille. Hein. Ça me paraît la première chose à faire. La médecine a quand même aujourd'hui une certaine efficacité qu'elle n'avait pas il y a 150 ans. Et puis par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de guérisons d'ordre psychospirituel, qu'on appelle des guérisons intérieures, des guérisons des blessures de la vie, qui, elles, sont extrêmement nombreuses et extrêmement nécessaires, parce qu'on en a tous besoin. Et moi, je reste persuadé que Lourdes, au XXIe siècle, est et restera un lieu de guérison « miraculeuse », entre guillemets. Alors, toutes les guérisons ne sont pas reconnues miracles, mais enfin, il se passe quand même ici des miracles. C'est le miracle permanent de Lourdes, je dirais même qu'on peut dire. Je l'ai eu au téléphone, oui. Étrange médecin, assurément. Scientifique, embarqué au pays des miracles, qui consulte sous le tableau d'une jeune paysanne en extase. Pour la science pure et dure, le miracle n'existe pas. Moi, je ne peux pas prouver d'ailleurs un miracle. C'est Pascal qui disait, dans le miracle, il y a suffisamment de clarté pour ceux qui veulent bien croire et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Donc le miracle ne peut être admis que dans une démarche de foi, croyance. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle. Alors on peut essayer d'approcher avec la raison la possibilité de l'expliquer, mais il y a toujours un mystère. Ça nous dépasse. Dernière prière et dernier souvenir pour les 73 d'Avignon. Décalé. Décalé de là-bas, décalé. Pour certains, le pèlerinage sera la seule sortie de l'année. Est-ce que tout le monde a son cierge ? Mais il leur reste une dernière chose à accomplir avant de quitter Lourdes. La procession au flambeau. Cette nuit, l'hospitalité d'Avignon doit mener le cortège. Voilà, vous avancez jusqu'au porte-bannière, là. Une façon d'honorer la prière du pape Benoît XVI pour ce jubilé. Que les malades et les handicapés ne soient plus en marge de la société. Voilà, suivez par ici. On est en train de se mettre en place pour la procession mariale, ou appelée la procession au flambeau. Donc nous, là, on est un petit peu en tête de procession. Donc ça veut dire que tous les gens vont passer derrière. Et devant, il y aura la Vierge. Et puis on va suivre donc la Vierge qui sera portée par des hospitaliers. Et on va la suivre donc jusque sur le parvis du Rosaire. Mais la foule sera beaucoup plus nombreuse que prévu. Pierre tentera une nouvelle fois de mettre un peu d'ordre. Si. En vain. Bousculée jusqu'à la rivière, l'hospitalité regardera passer la marche qu'elle devait emmener. Comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est sûr, on aurait préféré faire la procession, on aurait préféré la faire. Mais là, franchement, il y a un moment où j'ai un petit peu peur et je préférais jouer la sécurité que se retrouver bousculé dans la foule. Parce qu'à un moment, c'était vraiment très limite. Donc on s'est senti vraiment un petit peu à la limite de la sécurité, donc on a préféré se mettre de côté et laisser passer les gens. Donc ben, voilà, on est là devant la grotte. L'histoire retiendra peut-être que cette nuit-là à Lourdes, 70 000 pèlerins ont fêté le 150e anniversaire d'une apparition.